on est extrêmement heureux que ces assemblées, qui sont quand même un événement très important dans l'environnement financier mondial, que ces assemblées se tiennent à Marrakech, et encore plus heureux que les dates aient été maintenues malgré le tremblement de terre. C'est un signal très fort sur le positionnement du Maroc et son attractivité. Et aujourd'hui, on considère pour nous que c'est un vrai challenge pour le Maroc, parce que ça démontre que le Maroc est un acteur clé de l'écosystème financier mondial, que le Maroc est sur le continent un pays qui est un modèle, un exemple à suivre, et on l'a démontré même dans les ateliers lorsqu'on parlait de toute la croissance et de l'inclusion où le Maroc a partagé son expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, sur tout le continent, c'est un modèle que beaucoup de pays sont en train de suivre. La ZLECAF est en train d'avancer. Comme je le dis, l'Union européenne a mis 30 ans pour se mettre en place. Donc la ZLECAF est en train de faire son bout de chemin. Ça date de 2 ans maintenant. Il y a un groupe qui est en train de commencer à commercer dans le cadre de la ZLECAF. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est en train de discuter. Donc ça avance dans un rythme correct maintenant. Bon, on fera en sorte que les choses s'accélèrent de plus en plus. Oui, l'étape suivante, c'est qu'on finalise la protection des investissements, la propriété industrielle, et que de plus en plus de pays viennent intégrer les pays qui ont démarré à commercer dans le cadre de la ZLECAF. C'est une excellente chose, l'organisation de la Coupe du Monde. On s'est battu pour, ça fait des années qu'on se positionne pour l'avoir. L'organisation de la Coupe du Monde est un élément accélérateur de plusieurs choses. D'abord, c'est un accélérateur de développement des infrastructures, parce que sur beaucoup d'infrastructures touristiques, hôtelières, sportives, on peut leverager très vite et développer. Ensuite, sur le tourisme, ça va positionner le Maroc de manière encore plus forte sur l'échiquier touristique mondial. Et je pense que pour la jeunesse marocaine, c'est une très bonne opportunité d'avoir ce brassage mondial. Et donc, dans tous les sens, c'est vraiment une excellente chose, et c'est aussi une victoire pour le pays.